Merci. Ce fut un grand plaisir pour moi de participer à ce déjeuner de travail avec le président Hollande. D'abord, comme j'avais fait il y a deux jours au Commonwealth lors de son passage, j'ai souligné son courage personnel et le courage de la France et des Français de suite aux terribles attaques du 13 novembre. Se sont engagés en position de leadership et sur la sécurité à travers le monde, ces voyages personnels pour interpeller les grands chefs sur cet enjeu de sécurité ont été très bien reçus, mais aussi de rester préoccupés, comme le président l'a été et les Français le sont, par le sort de notre planète en matière de changement climatique. Les Français démontrent une grande vision, une grande responsabilité, et je suis très, très, très content de pouvoir être aux côtés du président pour parler de cet enjeu et pour travailler ensemble pour s'assurer qu'à la suite de ces deux semaines à COP, on va avoir une résolution ambitieuse et une déclaration qui va rassembler les pays du monde pour adresser ce grand enjeu. On a parlé de bien des choses, y compris évidemment la sécurité, les réfugiés, le terrorisme, les efforts qui vont continuer du Canada en tant que membre très présent de la coalition contre le Daesh pour s'assurer que nous faisions tous notre part pour contrer cette montée d'extrémisme dangereuse. Mais aussi, nous avons eu bien des sujets au niveau économique, au niveau de commerce, dont l'ASCJ, qu'on espère sera réglé bientôt, parce que le libre-échange entre le Canada et l'Europe, ça va être une bonne chose et pour l'Europe et pour le Canada. Et en général, on a su reconnaître la grande amitié qui existe entre le Canada et la France et, d'une certaine façon, relancer cette amitié aujourd'hui. It was a tremendous pleasure to have lunch today with President Hollande and his senior ministers to talk about a broad range of issues that are a common cause, not just for Canada and France, but for countries around the world, whether it be security and terrorism issues, whether it be refugee issues and countering radicalization, or whether it be the big subject that draws us together, the fight against climate change and the strong and positive role that Canada is pleased to be able to offer to play on the world stage right now. I look forward to many more meetings and close collaboration with our French cousins, and very much I'm looking forward to the next time that I get to sit down with the President. Merci, François.